soit on part. C'est un Anubis. C'est un Anubis. Ouais, j'en ai pas mal, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit qu'elle douillet. Rappelle-toi que t'es dans sa garde là, malheureusement. Ouais, j'ai ton adresse. Alors, on y va. On part. On tire. Ça, c'est pour les tout débutants. Le plot. Pour ceux qui veulent s'en prendre du lhomme. On décale, d'accord. Comme d'hab, les fesses en hauteur. Là, j'arrive pas à prendre le gigatamé, je peux aller prendre l'omoplate. D'accord. Mon partenaire se redresse, je reviens, je vais reprendre le triangle. Ok. Ça marche pas, je reviens, j'y. Donc, mon idée est toujours la même. Utiliser mon pendule comme un élément qui va me permettre de créer de la mobilité et donc d'aller attaquer différents angles. On est là, je décale, je reviens. Si je peux, je l'emmène, je peux le swooper. J'y arrive pas parce qu'il est très court. Je prends l'omoplate. Mais son bras gauche, il est bien placé dès le début, mais moi, à chaque fois, j'ai le souci, c'est que j'ai le bras gauche, à chaque fois que la personne est dans ma garde, il n'est pas comme ça, mais il est devant, sur moi, à chaque fois. C'est moi qui le place mal. Parce que ça ne peut pas servir. Comment tu veux qu'elle soit pas là, puis ici, là, elle est là. Ah, ouais, c'est dès le début. Dès le début, hein. Je suis ici, je contrôle. Tu es d'accord dans ma logique, c'est dans l'environnalité. Ouais. Alors, on va laisser ce bras là. Ah, c'est sûr. Pas bouger dans le bras. Il revient vers moi. J'utilise son dos. Mon pendule il est là, il va s'ouvrir, revenir, et je repasse de l'autre côté. D'accord. Ça marche pas, je repasse devant, je prends le bras. Idem, on est là, on tape, on revient, on va ici. Ça marche pas. Je reviens de l'autre côté, je peux repartir. D'accord? Je peux très bien changer en fonction de ce que je recherche. L'intérêt, c'est que vous ayez de la mobilité et donc que vous pouvez mettre en danger votre partenaire. Vous pourriez éventuellement aller chercher. Là, on va les reprendre. Ok. Ce que je veux, c'est que vous ayez de la mobilité. Dernière petite chose, cette fois en demi-garde, pour juste les avancer, mon partenaire long segment va me prendre en crossface et m'emmener là. La plupart du temps, vous faites un lockdown ici. Ce que je vais vous demander, c'est, vous avez vu, c'est la mi-garde là. J'enlève la mi-garde, je viens poser mon pied à côté de son tibia et l'autre à côté de mon pied. Mes deux genoux, je les resserre. Ok. Ici, je contrôle son bras. Mon autre main, je vais au niveau de sa ceinture. Ok. Bosse. J'aimerais bien revoir. Bon. Il vient me contrôler, c'est la galère. Je dois accepter d'être plein d'eau. Je vais relever mes deux pieds au sol, serrer au niveau de mes genoux. Je cherche à ce que mes genoux soient serrés, ce qui fait que sa cuisse là est prise. Là, s'il bouge, c'est pas évident. Je lui prends en overhook le bras pour lui enlever un appui. Et l'autre, je vais juste m'aider. Okay. Allez, j'y mets.